Bonjour, je suis Pascale Fromentière, j'ai 53 ans, je suis mariée, j'ai deux filles et je travaille à Sablé-sur-Sarthe comme secrétaire médicale dans le privé et je suis également bénévole à la pastorale des migrants pour aider les sans-papiers. Donc je suis candidate de la France Insoumise, soutenue par Jean-Luc Mélenchon pour la 4e circonscription de la Sarthe. Dans cette circonscription, il y a deux candidats de la majorité actuelle de M. Macron qui sont M. Le Foll et M. Franco. Ce programme L'Avenir en commun a les solutions pour toutes les catégories sociales, pour les retraités, pour les jeunes, par exemple l'allocation d'autonomie pour les jeunes, une augmentation de la retraite, vraiment une justice sociale pour les plus démunis et également pour les petites entreprises. Actuellement, les petites entreprises payent beaucoup de charges, contrairement aux très grosses entreprises qui, elles, arrivent avec des niches fiscales et également, comme les multinationales, justement, payent en fait très peu d'impôts sur leurs bénéfices. Voter pour moi, c'est voter pour vous, c'est voter pour le peuple et voter pour le programme L'Avenir en commun, qui peut vraiment améliorer votre vie de tous les jours, qui est un programme humain, écologique et social. De plus, dans le programme, nous avons prévu la révocation des élus. Si vous n'êtes pas satisfait de vos élus, vous devez avoir le droit de les révoquer, parce que beaucoup font des promesses qu'ils ne tiennent pas. Et tous les candidats de la France Insoumise dont je fais partie vont tenir leurs promesses. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pourrez justement les révoquer. Donc pensez vraiment à ça quand vous mettrez votre bulletin de vote dans l'urne, qu'à chaque fois que vous allez voter pour un candidat de la France Insoumise, c'est vraiment pour quelqu'un qui va appliquer le programme L'Avenir en commun. Et c'est un programme juste et équitable, humain, écologique et social. Merci. Bonjour, Éric Chamet. Je suis le suppléant de Pascale Fromentière dans la 4e circonscription. J'ai 58 ans, je suis éditeur et conseiller municipal d'Étival et Le Mans. Nous souhaitons dans cette élection répondre à l'urgence sociale pour lutter contre le chômage et la précarité, répondre à l'urgence écologique en sortant par exemple du nucléaire et en préparant la transition écologique, et répondre aussi à l'urgence démocratique en finissant avec la 5e République pour préparer la 6e République, qui est une République plus démocratique, plus juste et plus solidaire.